Elle ne quitte pas sans une vive émotion et un serrement de cœur la dernière ville frontière de sa patrie. Elle avait des amis qu'elle aimait d'un amour sans bornes et elle va à l'inconnu. Elle sait qu'on lui a dit tant de bien de Monseigneur le Dauphin. Mais le moyen de ne pas avoir peur quand on a 14 ans? Ose penser par toi-même. Voilà la devise des Lumières. Voulez-vous connaître la mienne? C'est bien dommage. Je dépense, donc je suis. Que dites-vous de cela? Voilà bien la devise d'une reine. Et que fait-on, petite Rhiannon? Ce qu'on y fait? On s'amuse beaucoup. On se jette à la tête les oreillers de tous les canapés. On joue à Colin Maillard et à la guerre Pampan. Savez-vous comment l'on m'appelle à Londres? Voulez-vous que je vous le dise? L'hermaphrodite, la reine des Amazones. Il y a des caricatures qui circulent sous le manteau. On a ouvert des paris sur mon sexe. Les sommes engagées sont exorbitantes. Est-ce avec votre éventail que vous avez tranché le nez de notre ambassadeur? J'ai jugé qu'il ferait moins le fier avec le nez tranché. Post-scriptum. J'aurais bien tranché plus bas, mais il est de notoriété avérée que cet homme-là n'a rien dans la culotte. Amazon Square. Mes compliments pour la naissance de votre fils. Ah, ce grand fils pour la France. En avez-vous pas trop souffert? J'ai pensé périr, mais n'est-ce pas ainsi que la chose doit se faire? Tu enfanteras dans la douleur. Genèse chapitre 3. Ah. Amen. Vous avez su sans doute ce qui s'est passé le 14 juillet. Votre salut pourrait se trouver dans la vigueur du roi, mais c'est hélas la seule vertu qui lui manque. Tout est manqué. Nous avons été arrêtés à Varennes, à seulement 16 lieues de la frontière. Je ne reçois pas vos lettres. Mon homme est mort. Chevalière? Vous n'êtes pas là? J'avais une reine pour amie.